Et salut tout le monde et bienvenue pour cet épisode numéro 19 de Ark sur The Center avec le mode Mystic Academy et le mode Extinction Anunnaki 2.0, on peut l'appeler. Voilà, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, le matin, la petite musique, le petit déjeuner, la petite guitare en main. On est parti pour cet épisode qui va continuer. On va continuer la base, on va la finir et on va déménager. Là c'est bon, j'en ai marre, on déménage. Et on va pas faire que ça, on va déménager et on va ramener, on va tout ramener, mais on va aussi finir le toit et on va tamer une nouvelle créature dans cet épisode, celle que vous aurez vue en miniature tout simplement. En tout cas, je dis trop de fois en tout cas, ça c'est sûr et certain. Je vais retourner à la base et puis on va récupérer, alors je sais pas si je fais le déménagement tout de suite, je pense que oui. Comme ça on va essayer de tout récupérer. Avec le Quetzal je peux pas. Ça va être une galère. J'avais dit que je mettrais le mode Stargate. On va au moins déménager les dinos, c'est pas grave. Les dinos c'est pas grave. C'est pas grave si on déménage pas la Xeno Enforcer, etc. On les déménagera plus tard. Merde, je me balade à l'autre bout du monde moi, c'est juste ici. Mais ouais, c'est pas grave si on déplace pas tous les dinos. Le plus important, c'est de déplacer tout ce qu'on a. Donc on va prendre la totalité de nos affaires. Putain, ça va être énorme. J'ai beaucoup trop de trucs hein. Et on va les mettre dans des trucs différents. Quoique, ouais, je peux pas. Bon vas-y, on va tout mettre dans le même et puis je trierai. Oh là 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 là, tout ce que j'ai à transporter, ça va être insane. Oh mon dieu. Allez, prends tout. Il a 11 000 de poids, de toute façon il pourra tout prendre. Normalement il n'y a pas de problème. Ah ouais, mais ça, mais oh là 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 là, 10 000 de métal. 10 000 de métal, on a... Ouah, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais il y a trop de trucs. Pas possible. Je vais prendre le Ptera aussi, parce que je crois que le Ptera, il a pas mal de poids sur lui. On va tout récupérer de ça. Ah merde, je suis trop lourd. What? Il y a du pou. Putain. Combien de fois trop lourd? Ah oui, 5 700. Un petit peu lourd. Je peux même pas tout prendre, d'accord. Bon bah on va tout reposer. Ah oui, ok, c'est parce que le nombre de pierres que j'ai, mais le nombre de trucs inutiles que j'ai là-dedans, c'est insane. Oh là 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 là, mais tout ça c'était dedans, mais tout ça, mais... Ah, ta. Bon, déjà, ça fait combien? Ça fait beaucoup trop lourd. Ça c'est sûr et certain, ça fait beaucoup trop lourd. On a combien de poids pour le Ptera? Il est où? Il est où le Ptera? Bah merde. Ah, je l'ai laissé là-bas. Oh non. Combien le Quetzal? 43 000. Bon bah mon coco, tu vas transporter. Hein. Tu vas transporter, ça va être obligatoire. Allez, tu jettes tout ça, ça sert à rien. Tu gardes un peu de bouffe, tu jettes le reste. Parce que là, je vais avoir besoin de toi, mon coco. Je vais avoir besoin de toi. Oula, ça lag. Ok, on va le rapprocher. On va le mettre devant la base. Ouais. Un petit peu trop de vent, mais bon. Du moment qu'on peut rentrer chez nous, c'est bon. Ok, c'est bon. Alors, tout récupérer. Ensuite, on met tout dans le piaf. Allez. Non, on peut pas le mettre à l'extérieur directement. J'ai pas l'impression. Attends, mais t'as pas une patte là? Voilà. Prends-moi tout ça. Redonne-moi la baby food, l'eau. Le je sais pas. Je sais plus, j'avais un truc et je l'ai déposé et j'aurais pas dû. Non bah c'est bon, c'est pas grave. Ça. Donne-moi un peu tout ça là aussi. Hunger gel, du bois, des conneries. La pierre on verra plus tard. Parce que c'est ça qui pèse le plus lourd. Le bois aussi, on verra plus tard, c'est ça qui pèse le plus lourd. Donc, on va redéposer le bois et la pierre. Donc le bois. On a tout ce qu'il faut, on a pas besoin de ça. Le bois, la pierre. Et ça y est, déjà rien que là, on est allégé. On va pouvoir tout transporter. Hop. Bon, je fais un petit déménagement et puis je vous reprends après. Bon, et bien je vous annonce que j'ai fini le déménagement. Voilà, on a tout ça.
Ah là 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 là, c'est pas du tout trié, j'ai tellement peur de trier tout ça. Ouais non mais c'est bien en fait que tout soit référencé là-dedans. Non c'est très bien ça, c'est très bien, on va ramener les deux. Quoique non, vas-y on va ramener que l'autre. D'accord, je suis trop lourd, c'est les 10 000 métal ça c'est les 10 000 métal. Voilà, 10 000 métal ça va mieux. On va vous mettre ça dans le Quetzal. Ok, j'ai plus de place. Il y a plus de place dans le Quetzal quoi. Et en même temps, on a beaucoup trop de charbon quoi. Vous voyez le nombre de charbon qu'on a. Et puis le nombre de viande aussi là, c'est juste n'importe quoi. Oh, 2300. Ah ouais, d'accord. D'accord, donc non, j'ai vraiment pas assez de place. Est-ce que j'en aurais assez si je virais des trucs qui servaient à rien? Du genre encore plus de charbon, puisqu'on en a beaucoup trop. Après, de la hide, on en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Donc on peut en jeter. Les skins, ça sert à rien. Donc on peut en jeter. Ça, on en a trop. Et normalement, on peut transférer. Non, toujours pas. Putain, mais c'est pas possible, j'ai trop de trucs. Vas-y, jette des trucs. Le sulfure, ça sert à rien, on s'en servira jamais. Ça sert à rien, on s'en servira jamais. Bon, je finis ce que j'ai à faire du coup. C'est bon, j'ai tout fini ce que j'avais à faire. C'est nickel. Nickel. Ah, les 10 000 métal. Et on est paré pour se barrer. Nickel. Bah j'ai tout, c'est bon. C'est bon, y'a tout. Mon petit Mew il est sur le dos. Hop, on va ramener un dino. Le Deodicurus par exemple. C'est parti. On ramène tout ça là-bas. Donc je vous retrouve à la base. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait cet utility Deodicurus? Je l'ai posé, je l'ai vu se barrer à l'autre bout du monde en mode non, je veux retourner à la maison. Qu'est-ce qu'il a branlé, la Deodicurus qui avait retourné chez lui, t'es. Qu'est-ce que tu fous toi? Bah alors, on n'est pas bien ici. Pourtant on est bien. Voilà. Mignon le petit Deodi. Tout mimi. Voilà. Bon. Ramenons ça. Sur la maison. Est-ce que je peux me poser dessus? Ah. Ah. Alors attendez, parce que ça va être compliqué, je crois. Ça va être compliqué. Reviens là, parce que j'ai des trucs à faire, là. J'ai énormément de trucs à... Ah, voilà. Nickel. C'est bon. Par contre, on organise ça comment? Merde, putain. Ah, mais laissez-moi passer. Est-ce qu'on peut sauter? YOLO. D'accord. Est-ce que je peux sauter comme ça? Oui, c'est bon. On organise ça comment? Là, on a sous l'escalier. Là, on a une grande zone assez sympa. Je pense qu'on va faire le crafting à l'étage ou pas à l'étage? Non, pas à l'étage. On va faire le crafting en bas. Donc, on va aller poser déjà les items. Pour ça, on va classer par ordre de je ne sais pas quoi. Par poids, j'imagine. Comme ça, au moins... Ça devrait être dans les premiers. Ou pas, par type. Pas mal ça. Ressources, armes. Ah, on est pas mal. Alors ça. Et puis ça. Et ça. Et ça. Ça aussi. Donc c'est dans structure, j'imagine. Ça, c'est les structures. On va tout placer. Donc, aménageons ça. On va mettre ça en bas. Toc, reviens. Voilà. Le Smithy, c'est le truc le plus important. On va le placer ici. Voilà. Ensuite, on a le Fabricator. El Fabricator, il est dans le coin parce qu'il est énorme. Il est beaucoup trop gros. Il fait chier. Il va venir là. Parfait. Ensuite, le S+.
la table S+, elle va venir se caler sur le côté, ainsi que ça pour faire au cas où du gazole, et ceci à placer juste ici, et il faudra en créer un deuxième. Ok, ensuite on aménage tout ce qui est steampunk. Alors le steampunk, on va mettre ça plutôt de ce côté là. Voilà, donc déjà on a ici l'atelier steampunk, la forge. J'aurais dû faire l'inverse, on va faire l'inverse. Donc la forge steampunk ici, merde. L'atelier steampunk, juste là. Et ce truc là, je sais plus à quoi ça sert. Les panneaux, lightning et mid spoiler, snow machine, reusable copper électrique, je sais pas quoi, et un auto tourelle. Ah oui, c'est pour faire des impulsions en fait, l'auto tourelle. Ok, bon bah c'est bon. Et on va placer le four en face. Voilà, on est bien là, c'est aménagé. On a tous les trucs ici, on va pouvoir mettre... Ah mais attendez, parce que... Ah ouais, non mais je vais mettre un nouveau mode après, vous allez voir. Ça va être bien mieux que ça, vous inquiétez pas, ça va être trop bien. On va placer du coup les structures là-dedans. Toc, toc, toc. On va faire des trophées. Comment on fait un trophée, je sais pas quoi. Donne-moi tous les give en grammes là, parce que j'ai pas envie de me les... Merde. Give en grammes. Voilà, parce que j'ai pas envie de tous les débloquer, puisque de toute façon j'ai assez de points pour les débloquer, mais c'est juste que c'est super long de cliquer partout. Donc plutôt que de cliquer partout, on fait un give en gramme, ça ne change absolument rien. Mais alors absolument rien. Donc ce que je disais, ce que je voulais faire, c'était... Par contre j'ai tout du coup. Ça fait beaucoup. Je vais vous montrer ça. Il faut juste que je le trouve tout simplement. C'est le... Alors, on va tout pull là-dedans, Anger Gel, non pas l'Anger Gel, alors Perle Noire, non, Extrait de Cactus, Ciment, oui, Ciment, tu pull là-dedans, Charbon, non, Kitine, tu peux pull là-dedans, Citron, on s'en fout, je vais tout pull parce que j'ai un truc à vous montrer, Cristal, on pull. C'est trop bien ce truc là, hein. C'est tellement bien. Fibre on pull. Le structure plus, il faut vraiment l'avoir dans toutes les parties solo. C'est indispensable. Le gaz on le pull, mais je vais pouvoir l'utiliser pour l'autre truc à côté. De la peau. 11 000 de peau, de la kératine. Non, on n'a pas de kératine, moi je jette la kératine, c'est de la merde. Du maïs, du métal. Moi il me faut pas du métal, il me faut du lingot de métal et j'en ai 22 000. Des narcotiques. Des peaux, de l'obsidienne, nice, c'est ça que je veux. Non, j'ai tout pris sur moi, putain. Non. De la pierre, oui. Ah, il y a trop de trucs, du bois, oui, des branchages, oui. Ah putain. Non, remettez-vous. Tiens, donne-moi ça, on va poser ça là-dedans. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est... Je vais juste faire un petit truc, histoire d'aménager. C'est dans structure, d'hiver. Non, pas cuisine, d'hiver. Trophée. Eh oui, on a un artefact. Du coup, on va faire un trophée. On va le poser. On va le poser. Bonne question. On va faire un... Petit truc sympa en haut là. On va mettre ça dans les coins. Ah putain. Ah ça me fait rager. Allez hop. Hop. Et nickel. Alors un petit trophée dans ce coin là. Hop là. Petit trophée. Oui là. Oh c'est beau ça. Petit trophée posé, ça c'est fait. Du coup, il doit plus y avoir grand chose dans ce Quetzal. Enfin, quand je dis ça, ouais, vous m'avez compris quoi. Il n'y a pas tant que ça de truc. Enfin, si, c'est. Mais c'est n'importe quoi. Regardez-moi tout ce qui reste.
C'est doux, c'est ouf. C'est ouf. Ça va là-dedans, ça. Ça, ça va là-dedans. En tout cas, on aménage, hein. Pas mal. Oh, on y accède là. Non. Putain. Je déménage du coup. Je vais placer la bench Anunnaki juste ici. Voilà. Nickel. Bon bah ça c'est fait. Il y a un truc que je voulais voir, c'était ça. Voilà, les Matrix. Matrix, d'accord. Donc il faut des artefacts pour invoquer le dragon, le Dodorex, Dodo Wyvern, Gorille, Manticore et Broodmother. Je sais pas à quoi ça sert, mais il va falloir le faire. Parce que c'est dans le mode extinction. Donc il y a encore beaucoup de choses à voir. Je pense qu'on n'a pas fini. On a vraiment pas fini avec ça. Donc on verra ça au fur et à mesure de toute façon. Mais ouais, on n'a pas fini, on n'a pas fini. Bon, et ben voilà. On a tout aménagé, le petit coin cuisine et tout. Tout est aménagé ici. Il n'y a plus qu'à aménager ça. J'ai mis quelques armoires ici sous l'escalier, histoire de ranger les trucs un petit peu dans l'ordre, là, les armes et tout. On a toutes les ressources normalement dans cet atelier. Bon voilà, on est bien. On est bien, on est posé, tout va bien. Et lui, il a plus rien du tout. Normalement, c'est fini. Voilà, il a plus rien. C'est fini. Alors du coup, on va remonter. On va remonter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tac. Voilà. On va remonter sur le Quetzal. Et... viens là, viens là, viens là. Et on va retourner à la base. Là c'est bon, c'est aménagé. Il n'y a plus qu'à faire le toit, parce que le toit on l'avait pas fini. Du coup je vais ramener un dino. Et on va commencer à construire le toit. Voilà, tout de suite. Alors non, en fait je vais pas ramener de dino. Pas pour l'instant, en fait j'en ai pas besoin. Je sais pas pourquoi je voulais ramener un dino. Mais si on a tout ici maintenant, tout est prêt. Putain c'est beau, hein. Pas la même base, hein. Du coup tout est prêt. On a plus qu'à tout construire ici en fait. Et moi ce que je voulais faire dans l'immédiat, si je me rappelle bien, puisque je me rappelle plus. Si, c'était le toit. Et le toit, je voulais le faire en structure S+, mais, attendez, glace, métal. Et donc, il va me falloir beaucoup de cristal, de lingots et de ciment. Donc on va pull tout ce qui est ciment ici, de cristal et de lingots de métal. Cristal. Oula, en kilo. Ah ouais. Ok, donne-moi le cristal en kilo. Donne-moi ça. Et du lingot de métal. Lingot de métal, il y en a dans le Steam Workbench. On va en prendre 5000. On va en prendre 5000 ici. La seule chose qui va manquer, c'est... bah, comme d'habitude, hein. On est habitué. Bon, du coup, il va falloir des toits penchés. Il va me falloir des toits sur les côtés comme ça. Je sais pas comment ça va fonctionner, je sais pas comment on va faire. Il va me falloir un roof, non, parce que j'ai pas envie de partir par le toit, c'est pas très grave. Alors non, pas de comme ça. Je réfléchis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à voir. Et je dois vous avouer que là, je sais pas trop comment ça va se passer. Il me faudra forcément des glass ceiling. C'est ça, c'est sûr. Il me faudra forcément... Non. Forcément des murs. Des glass walls. Il me faudra forcément... alors on va tester avec ça. Et on va tester avec... cela. En triangle. Sur les côtés. S plus triangle. Roof. Je vous avoue que là, je suis pas serein concernant comment je vais faire ça. Je suis vraiment pas serein. Je sais pas comment ça va marcher. Je vais peut-être complètement me fail sur mon toit. Mais on verra bien. On verra bien. Ce qu'on doit faire... alors, c'est pas ça. C'est pas comme ça que j'avais vu le toit, moi. C'est pas comme ça que j'avais pensé le toit. Comment je l'avais pensé? Parce que du coup, il faudrait que ce soit recouvert de... ouais. Non, il me faut des trucs penchés. Des trucs steampunk penchés. Y'a pas ça. Ça existe pas, je crois. Ah, avec des escaliers. À moins de trouver ça dans structure, stove. Oh, y'a tellement de trucs à faire là-dedans. Multiforge.
Ah mais parce qu'il est mis à jour ce mode en plus. Ah, oh le lit de baiser. Oh le lit. Wouah. Qu'est-ce que c'est que du Rogue Diamant? Comment on fait du Rogue Diamant? De la pierre et de l'obsidienne. Attendez, je ramène la pierre. Je ramène la pierre. L'obsidienne, ça va être un peu plus compliqué, mais je ramène la pierre. Attendez, on va faire l'armure steampunk aussi dans cet épisode. J'ai trop envie. Ok, trop lourd. C'est 20 000 de pierre, ça suffira ou quoi? Tiens, prends 20 000 de pierre. Ensuite, il nous faut de l'obsidienne. Oh putain, j'ai si peu d'obsidienne que ça. Ah, je peux en faire 45, ça en fait par 12 millions en fait. Bon, on va prendre l'optera et on va aller en chercher un peu de l'obsidienne. Je m'éparpille un peu. J'avoue, je m'éparpille un peu. Mais c'est pas grave. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et on va faire ça au fur et à mesure de toute façon. Oh merde, il pleut. Bah attendez, je vous reprends, je fais passer la pluie. Oh, regardez-moi ça. Skeleton Stego. Normalement, je fais assez de dégâts pour le tuer. 13 000, il va juste falloir faire quelques petits coups. Mais de toute façon, il fait que du 200. Oula! C'est quand même particulier. On a 11! 11 perles noires. Qu'est-ce que c'est que ça? Des minions squelettons. Des zombies dodo. Vas-y, on se casse. Du coup, on a assez de perles noires pour faire ce qu'on voulait. Oh, et puis j'ai trouvé une... Ah bah non, j'ai bien mieux. Non, bah le reste, on va acheter. Hein. Le reste, c'est inutile. Mais ouais, c'est bon. On a ce qu'il faut en perle noire. Il en fallait 14, je crois. On va pouvoir en faire au moins un. Et aller voir ce que ça donne sur les PNJ. En attendant, je vais faire juste de l'obsidienne, moi. Là, je farfouille. Je pensais qu'il y en allait y en avoir pas mal au niveau de l'île volante. Parce que je sais pas trop où en trouver, en fait. Mais là, rien du tout. Il y a absolument rien. Alors, je me demande... Ici, il n'y en a pas non plus. Aucun obsidienne. Eh bien, je ne sais pas. Ouh, il est tout beau. Il est tout beau. Il est tout mignon. Il a 200 000 Oh, mais ça va. C'est les boss de Extinction, ça. Ils sont beaux. Extinction est vraiment un mode complet pour le coup. Oh, Gigano. Ça va? Ça se passe bien ta vie. Bonjour. Au revoir. Pas d'obsidienne non plus. Par contre, on a trouvé le boss de la zone froide. Ça c'est sympa. Ça c'est plutôt marrant. Bon bah au moins là, je suis sûr d'en trouver de l'obsidienne, il n'y a pas de problème. Ok, ça en prend pas tant que ça. Ça va, 400 obsidienne par... Oh putain, les zombies dodo. Ouh, les zombies dodo. Ouah, j'ai flippé là parce que... Je suis pas bien. J'ai des petits frissons. Là, je dois vous avouer. Parce que les zombies dodo, c'est vraiment de la merde. Et ça poursuit à l'autre bout du monde. Ils sont encore en train de me poursuivre. Allez, fais-moi monter, toi. Saloperie. Voilà. Ok, bon, on va se casser. J'aime pas les ondodo. Je vais aller directement sur le crâne, sur l'île crâne, et puis on ira récolter de l'obsidienne là-bas. Ce sera plus simple. Parce que là, les ondodo, merci, mais non. Alors, j'ai crash. J'ai complètement crash. Donc, on va recommencer. J'en étais rendu où en fait? Je crois que j'ai pas ramené d'obsidienne. Il me semble pas. C'était pour faire du diamant. Il manque énormément d'obsidienne. Donc, on va aller rechercher ça. Avec cette fois-ci le piaf qui est là. Oui, j'ai changé de piaf, je suis retourné là-bas, je sais pas trop ce que j'ai fait, enfin bref. Du coup, on va prendre celui-ci, on va aller chercher de l'obsidienne avec. Ça suffira amplement.
pense que ce sera pas mal. Sinon, c'est vrai que je le répète à chaque vidéo, mais... mais c'est parce que c'est vraiment important. Je suis en live tous les soirs de 21h à minuit 1h. Donc n'hésitez pas à passer sur les lives. C'est très important parce que les lives là, en ce moment, c'est un truc que j'ai envie de voir grandir. Voilà, c'est mon petit bébé. Mes lives, j'ai envie de les voir grandir, de les voir s'améliorer. J'ai envie de proposer du stream de qualité, de plus en plus professionnel. Et pourquoi pas de vivre des streams, et donc plus que de YouTube en fait. YouTube me permet aujourd'hui d'avoir un petit peu d'argent, les streams aussi, puisqu'il y a quelques donations, j'en remercie tous les donateurs, énormément, parce que c'est toujours, ça fait toujours bizarre de recevoir de l'argent, ça fait toujours très très bizarre. Mais du coup, je préférerais vivre des streams avec les subs, avec ce genre de choses, avec les concours, les trucs qu'on pourrait faire entre nous et tout, plutôt que de YouTube. Même si les deux sont très bien, hein. D'ailleurs, si vous voyez que la... ça me saoule. Si vous voyez que... enfin, si vous entendez que ma voix a changé par rapport à tout à l'heure, c'est normal, c'est normal, puisque je ne suis plus dans le même contexte. Ça fait... j'ai laissé passer 2 heures entre le moment où j'ai crash et maintenant. Donc, à mon avis, je suis un peu plus calme maintenant. Je me suis posé, je suis avec mon petit plaid sur le dos et tout. J'ai froid, je suis bien. On va commencer le live ce soir vers 21h. Donc... non, vers 20h en plus. Enfin, ce soir, au moment où je record. Donc, c'était hier. Commencer à 20h. Et normalement, ça va être ouf ce soir. Mais de toute façon, tous les soirs, c'est ouf. À chaque fois, je dis ça, mais même le soir où vous avez cette vidéo là, bah ça va être ouf aussi, donc je le sais pas encore, mais c'est sûr, parce qu'on a prévu des trucs pour le serveur, vous imaginez même pas. La fin du serveur, il y aura les cavaliers de l'apocalypse, la petite Yuni, il va lui arriver des conneries de ouf, hein, des tas de salauds, enfin ça va être horrible, il va se passer des trucs de fou, il va mourir, il va se passer des trucs, sans spoiler de toute façon, parce que c'est pas un spoil, parce que vous verrez bien. Mais bon, si vous attendez les vidéos YouTube, enfin je vous conseille vraiment pas d'attendre les vidéos YouTube, je vous conseille de venir sur les lives, parce qu'à la limite moi je préférerais qu'on soit 1000 sur les lives et que je sorte aucun épisode de Nexus RP en fait, sur la chaîne. Ça me permettrait de vous les présenter en live et vous aurez la réaction en live, vous aurez tout en live et c'est quand même carrément mieux. Et après vous avez toujours les rediffs au cas où sur Twitch. Maintenant peut-être que je posterai, parce que ça prend du temps là en ce moment les vidéos à monter, les vidéos de Nexus RP, donc peut-être que je posterai les versions originales de 4h, bon c'est pas là, c'est vrai que c'est la base maintenant. Peut-être que je posterai les vidéos de 4h originales et je ferai le montage quand j'aurai le temps de faire le montage. Ou alors je demanderai à quelqu'un, si quelqu'un est chaud pour faire les montages de Nexus RP, je lui envoie les rushs, ou alors je les upload directement sur la chaîne YouTube, les rushs originaux. Et puis, voilà. Et puis voilà. On fait ça. Donc si jamais il y a quelqu'un qui est chaud pour le montage, après le truc c'est que moi je peux pas le payer. J'aimerais bien, hein. J'aimerais bien prendre un monteur, le payer et tout. Ça me poserait aucun problème. Mais pour l'instant, bah je gagne pas assez d'argent avec la chaîne YouTube pour pouvoir me permettre de faire ça. Hein. Mais par contre, je vous assure et je vous promets que au moment où je commence à gagner ma vie avec YouTube, je prends un monteur et je le paye. Voilà, à toi qui regarde cette vidéo et qui est chaud pour faire du montage après plus tard, pour faire des petits trucs sympathiques avec les lives, des best-of, des trucs, voilà, des trucs cool. Pas mes séries comme je suis en train de faire là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de montage à faire. Mais par exemple, pour les séries qu'on fait en live comme Nexus RP, si tu veux faire de la scénarisation et tout, moi je record ma voix pour faire de la scénarisation, il n'y a pas de problème. Et ensuite, c'est au monteur de faire la mise en forme, on va dire. Ça, y a pas de souci. Ça, clairement, là, je suis prêt à payer 100% des revenus de la vidéo. Mais du coup, bah, en fonction du nombre de vues qu'elle fera, c'est pas le même revenu. Si jamais la vidéo fait 100 000 vues, la vidéo peut faire jusqu'à 200 euros. Ça, c'est possible. C'est possible. Donc, je peux payer le monteur 200 euros. Ça, c'est possible pour une vidéo. Oui. Mais faudra que la vidéo fasse 200 000 vues. Et donc, ça, bah, c'est à vous de la communauté aussi. C'est vous qui décidez de toute façon de l'avenir de cette chaîne. Je suis un peu con parce que j'ai viré mon piaf, mais j'ai pas fini ce que j'avais à faire à l'intérieur. Non mais il pleut tout le temps dans ce monde. Putain, mais dans la vraie vie je suis en Bretagne, mais dans le jeu aussi je suis en Bretagne, putain. En plus c'est pas vrai, il pleut pas tant que ça en Bretagne. Oh non mais c'est... oh je suis dégoûté là. Il pleut. Attendez, je vais faire tomber là, je vais arrêter la pluie. Arrêter la pluie. Pour arrêter la pluie, vous faites un slow-mo 100. Vous attendez que tout se passe.
Ouais, donc du coup tout le monde va le monde entier va plus vite. Même les dinos, tout ça, tout va plus vite. Donc si jamais il y en a un qui se fait attaquer, bah on n'est pas dans la merde. Et voilà, diplopé. Ça c'est bon ça. Du coup ceux qui disent ah tu cheat et tout, oui bah c'est comme si j'avais attendu là c'est concrètement comme si j'avais attendu 20 minutes sans bouger. Et voilà, sauf que je le fais en 30 secondes parce que pour les besoins de la vidéo c'est juste chiant en fait. Mais j'ai vu ça hein, l'autre jour sur Valhalla, il y a des gens ils ont là ouah tu cheat et tout fils de j'ai vraiment vu ça comme commentaire. J'ai eu un truc comme je crois enculé tu cheat t'es cul de merde, un truc comme ça. Je vous assure j'ai vu ça comme message. Et moi je me suis marré parce que je me suis dit il est con. Mais il est con ce il est con. Mais c'est qui ce délire. Mais voilà, il y en a beaucoup hein, de toute façon, des messages comme ça. Ah là là, mais enfin non, il y en a pas beaucoup, qu'est-ce que je dis, il y en a pas beaucoup, mais il y a beaucoup de débiles sur internet, c'est ça que je veux dire. Mais voilà, donc le mec, j'ai fait un slow-mo, ça y est, il dit ah tu cheat, je me suis regive les items parce que j'avais delete mon perso et que j'avais relancé 4 fois ma partie. Du coup, j'ai delete tous les items. Mais je cheat. Non, mais c'est pas grave. Il y a pas de souci. Du coup. C'est en train de se crafter parce que j'ai envie de faire l'armure steampunk. En attendant, nous on va aller stammer le truc qu'il fallait absolument que je tame. C'est-à-dire, et j'en ai marre de me gourer à chaque fois. Elle est belle cette base, hein, mais. Ah oui. Et puis ce que j'étais en train de faire. Oups, pardon. En glace métal. Bah c'est pas fait encore. C'est parfait. Donc on verra bien. On verra bien, on fera ça. Par contre, il me faut des rampes. S plus glace rampe. Voilà. Donc il va me falloir du ciment à mort. Comme ça on le sait. Donc il va falloir. Ah oui merci, c'est vrai, c'est automatique. Il va falloir s'occuper de ça. Mais on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Le toit. Il y aura pas de toit. Comme ça que s'il pleut, bah il pleut. Pourquoi je prends lui? La mantis, c'est parti. Allons chercher une mantis. Mantis, où es-tu? Oui, tu mentis. Pas ici, apparemment. Pas ici. Tic. Ouais. On va aller par là-bas, là où on avait croisé toutes les mantis. Il y en a peut-être qui sont réapparues. Il faut voir, il faut tester, il faut regarder. Donc allons voir. Autre chose que je voudrais savoir, c'est est-ce que dans les drops, parce que je me souviens plus, est-ce qu'il y a des trucs bien? Ou est-ce que c'est de la grosse merde comme tous les drops de ce monde? C'est pas mal, mais c'est le mode extinction qui gère ça. Du coup, bah forcément, c'est beaucoup moins impressionnant que Mystic Academy. Donc, aucun intérêt. Pourquoi il avance comme un con, lui? Je ne sais pas. Est-ce qu'on le tue? Non, on le tue dans le prochain épisode, ça vous va? Dans le prochain épisode, on fait ça. On voit ce qui drop, on voit un petit peu ce que c'est que le mode extinction quoi. Par contre moi j'aimerais bien une vraie mantis, un truc hard et tout qui pète le cul. Et là ça m'a pas l'air d'être ouf. À mon avis la mantis qui est là, elle est pas ouf. Mais je le vois pas. C'est trop chiant. Putain. C'est trop chiant. Ah mais il n'y a même pas besoin d'un caster. Mais Mystic Academy c'est beaucoup trop pété. Ouais. non, c'est pas possible. Il faut vraiment pas mettre Mystic Academy avec extinction si vous faites une partie solo. C'est un tueur de gameplay quoi. Après c'est pas grave hein. C'est pas grave. Là on s'en fout un peu. Parce que c'est quand même sympa. Mais c'est vrai qu'il faut pas le faire. Si jamais je devrais le refaire, je ferais Mystic Academy tout seul, Extinction tout seul sur deux maps différentes. Après, c'est pas forcément très utile parce que les modes sont pas oufissimes. Donc, non, Ah, ça y est, level 40. Level 40, non, j'ai dit un level 120 serait pas mal. Ça tape quand même bien plus fort, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc, ouais, ce serait pas mal. Un petit level 120.
pour ça, normalement, il faut viser un endroit. Ça ne marche pas. Ça marche jamais. Non, mais très bien. Il n'y a pas de souci. Level 10. Level 10. Pas très intéressant, je dois l'avouer. Level 85, c'est pas mal ça. Ça, j'aime bien. Tiens, viens. Viens là, je te tame. Bon, au pire, on va la tamer comme ça. Hein. Et c'est l'impact qui n'est pas suffisant. Allez. Hop là. Et bim, ça c'est fait. Par contre, je sais pas s'il va se faire attaquer. Ça m'embête un peu. Ah, et puis t'as pas de... Ouais, t'es pas forcément très ouf. Vite. On lui amène ça, là. The Axe of the Priest. Ok. Donc on va tuer les méga piranhas. Tranquillement. Putain, c'est compliqué, hein. Vachement long. Voilà. J'espère qu'il a pas pris trop cher, lui. Où est son corps? Non, reste là. Il est où? Non. Où es-tu? Aïe. Putain, j'ai perdu mon Pokémon. Et à la place, je me tape des putains de méga piranhas, quoi, qui m'amènent à l'autre bout du monde. J'ai perdu mon Pokémon! Mais par contre, il est où en vrai? Il est où? Putain, sérieux quoi? Je l'ai jeté dans l'eau et je le trouve plus maintenant. Ah, il est là-bas! Il est là. Bim. Mais pose-toi, toi. Insupportable. Viens là. En attendant, trouvons un moyen d'accéder à son inventaire. Mais non, mais pas WF. Reviens là. Bon. On y accède comment? On peut pas les tamer. Il y a peut-être de ça. Peut-être qu'on peut pas les tamer, tout simplement. Ça expliquerait beaucoup de choses. Bah déjà, si je peux pas monter dessus, on n'est pas... C'est pas rendu, hein. Ça se trouve, vous avez été nombreux à me dire en commentaire, le fais pas. Mais comme je tourne les épisodes à la suite en ce moment, parce que je suis motivé, Bah, pas très rentable, quoi. Ah non, mais qu'est-ce qu'il fait? Viens là! Mew! Te barre pas à l'autre bout du monde! Merci. Trop bizarre ça que les machins ils fassent ça. Nous on fait Tarzan en attendant. Hop. Bon bah on oublie hein. Je pensais que c'était intéressant mais on peut pas.
Bon, en tout cas, j'ai pas trouvé la solution. Donc, ouais. On verra plus tard. Let's go, on se casse. On se casse. Et on va... On peut faire le Call of Arms aussi. Ça y est, on peut le faire. On a le droit. On a le droit de le faire. Mais sinon... Il y a des golems là. Un golem, il faudrait un canon pour le tamer. Je sais pas combien de boulets de canon il lui faudrait, parce que c'est pas un golem normal. C'est un golem de glace, je crois. Mais ça peut être intéressant aussi. Après là, je me balade parce qu'en fait, je cherche ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Pendant que les diamants se font et que l'armure est en train de se crafter. Enfin, on va pouvoir la crafter. Je recherche un petit peu ce qui existe. Et là, je dois avouer que si je croise que des utility Bigfoot, pas très utile. Pas très utile tout ça. Oh, l'ambiance qui change totalement. Ah, c'est vrai! Bah alors, y'a rien, d'habitude y'a plein de trucs dedans. D'habitude y'a masse truc. Youhou! Bonjour. Oh, c'est beau. Oh, y'a deux entrées. Non, mais attends, mais on verra ça plus tard. Je crois qu'avec l'armure steampunk, on peut respirer à l'infini. Elle est cheatée, l'armure steampunk, donc on va aller la tester. Et puis on reviendra dans les grottes si besoin, histoire d'avoir tous les artefacts. Parce que cette grotte là, à mon avis, il y a un artefact dedans, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Hop. Et yop là. Et yop là. Yop là. Il est où? Oh non, mais il est où ce piaf? Ah non, il est plus haut, c'est moi qui dis de la merde. Il est là, ouais. Nickel. Allez, on sort de là. Viens avec moi. Ah oui, c'est vrai. Viens avec moi, du coup. On s'en va. Ah ouais, bah suis-moi alors, du coup. Ok, il veut toujours pas. Exigeant, hein. Faut vraiment sortir du truc. Là, il veut. Ok, nickel. Pas de soucis. Il y avait un Pithecus aussi là. Et puis, on n'arrivait pas à le voir. Il était invisible. Je sais pas si ça a été réglé comme problème. À mon avis, non. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on en est où? 120. 120 Rogue Diamond. Alors, du coup, armure. Oh, on peut déjà commencer. Ouais, mais je veux tous les faire d'un coup. Donc, vous savez quoi? On se retrouve tout de suite, le temps que ça se craft. Hein. Donc, bah, tout de suite. Hein. Et bah, voilà. On a fini. Hop. Combien on peut faire de trucs du coup au niveau des armures? On peut faire le torse, on peut faire le coiffe. Ça coûte trop de rock metal. Du coup, bah, il me faut de l'obsidienne et du coal. Ah, on a plus de coal. Bah, attends. Là, du coal. Voilà, déjà 5000 coal en plus. Et il se met à pleuvoir. Bah oui, parce qu'on a fait quoi? On a attendu. Et comme j'ai attendu, et bah il pleut. Et du coup, on va se mettre sur le toit. Et puis, on va refaire un petit slow-mo 100. Et puis on attend. Et on attend qu'il pleuve plus. Voilà. Putain. La Bretagne. Il y a un PNJ là-bas. Non, c'est un pingouin. C'est un putain de pingouin que j'ai pris pour un PNJ. Bon, ça c'est fait. On a dit. Rare metal. Du rock metal, du coup il va me falloir de l'obsidienne. Bah oui, bah oui, bah oui. Bah du coup je reviens, hein. Je vous épargne ça.
à tout à l'heure. Allez, de retour. Avec du cristal, un petit peu, lol. De l'obsidienne, de la pierre surtout. 810. Ah voilà. Nickel, mais il n'y a plus qu'à attendre. Et refaire de ça aussi. Donc il faut du bois. Bon, ça va pas être très compliqué d'en refaire. Je prends 10 000 bois et puis on n'en parle plus. T'en prends 5 000, vas-y, tu m'en fais. Toi aussi, t'en prends 5 000. Ouais, non, toi, tu marches à l'huile, t'es chiant. Vas-y, fais. T'inquiète. Fais du coal. Ah oui, ça y est, fait 2 par 2 en plus. Bah alors, attends, non. Ça va faire beaucoup trop de coal, par contre. À la limite, toi, tu peux en faire un peu aussi, si tu veux. Vas-y. Là, je vais en faire beaucoup trop. Beaucoup trop. Bon, en attendant, il nous faut du rock metal, du rock diamond. Donc bah, on va faire un slow-mo et puis on va attendre que ça se craft. Et puis c'est tout. Puisque là je vais faire que attendre. Donc je vous reprends dès que les 53 sont craftés hein. Attends, allez, c'est bon, j'ai fini. J'ai pas besoin d'autant de diamants du coup. Donc on va stopper le... Voilà, on va stopper la production de diamants. Parce que là, on a toute l'armure en fait. Et je crois que ça a donné des jets aléatoires. Il me semble, hein. À moins que ce soit les bons jets, mais... Alors, elle est quand même carrément plus classe, vous allez voir. Genre, voilà, on déconne plus, quoi. On ne déconne plus, voilà. Et du coup, maintenant... Alors, qu'est-ce que j'ai comme boost ? Heavy physical protection and make the element easier to endure. Ok, add clear vision and oxygen underwater. Alors, le casque, pour ceux qui n'auraient pas compris, en gros, ça me donne de la fortitude et ça me permet d'avoir la scuba vision. Voilà, une belle scuba vision de qui n'est pas dégueu. Et d'avoir oxygène en illimité. Rien que ça. Rien que ça. Ensuite, on a le torse. Le torse, physical protection, aux éléments aussi, et... Ah oui, le poids. 5007. D'accord. Ça, c'est de la merde. Ça donne rien de plus. Give a speed... Ok, donc ça augmente la vitesse. Et... Give slide damage resistance. Ok. Slide? Je ne sais plus. En tout cas, plutôt sympathique. Du coup, on doit, à mon avis, on doit courir assez vite maintenant. Avec les 182 speed et tout. Ah oui. Ah ouais, non, c'est sympa. On court quand même un petit peu plus vite, je pense. Pas beaucoup. Mais ça se voit. En tout cas, nice le petit mode steampunk. Hein. Moi, j'approuve. Dans un serveur RP, ça peut être grave bien. De toute façon, j'ai une idée d'un serveur RP, les gars. Là, on va voir ça. Déjà qu'on en a fait plein, mais là, j'ai encore une idée pour un nouveau serveur RP. Je vous tease pas. Vous débrouillerez, vous regarderez ça. Vous regarderez ça sur les lives parce que de toute façon, ça se passe qu'en live. Donc, si vous voulez voir quelque chose, bah, c'est en live. Hop. C'est parti. Bah voilà, on a fini, je pense. On a fini ce que j'avais à faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Bref, j'espère que ça vous aura plu. La gueule de con. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour l'épisode numéro 20. On va arrêter l'épisode là. On aura au moins fait l'armure. Et tout déménage. Putain, il faut que j'installe le mode Stargate aussi. Et moi qui voulais tamer une mantis, c'est pas possible. Putain, ça fait bizarre les bras comme ça. Et il fallait que je finisse le toit, mais je l'ai toujours pas fait. Donc on le fera dans le prochain épisode aussi, ou je sais pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui restent à faire sur cette série. En fait, elle est pas prête de s'arrêter parce que je l'aime bien. Je l'aime bien cette série, donc on va la continuer. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, c'était Yonix. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos et à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Voilà, les trois, il faut le faire. Abonner, partager et liker. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 20. Portez-vous bien. Salut tout le monde.